nous arrivons place des Marronniers de Blagnac. Donc un lieu avec des commerces, un arrêt de tram et un futur arrêt intermédiaire pour le tram qui est actuellement en travaux. Et derrière l'avenue des Tilleuls qui amène après sur le parc du parc de Dissy, le parc du Ricouré. Donc également ici, une voie cyclable est prévue. Route prévue qui va continuer. Qui va continuer toute l'avenue du Tilleul pour essayer de faire une jonction ou une ligne au-dessus de l'aéroport. Parce qu'en effet, il est prévu que cette ligne, cette voie cyclable passerait soit en dessous, soit au-dessus de la rocade. Donc elle irait jusqu'au bout là-bas. Et là on voit les différents parcs, les différentes lignes d'au-dessus. Donc elle irait tout droit par là-bas. Également ici, en poursuivant sur la rue de Tournesol. Donc c'est vraiment une des pointes du parc au-dessus de la partie côté rocade. Et voyez-vous, on a une connexion ici. Donc on peut supposer que ça irait se connecter sur la partie déjà existante ici et passerait sans doute en dessous. En dessous de la rocade qui est juste derrière ces murs. Voilà. Et après de l'autre côté, donc ça donnerait sur un terrain vague, ça sans doute aménagé pour. Et après il y a un tronçon qui irait, ça poursuivrait pour rejoindre la future une des futures voies de réseau express vélo de Toulouse Métropole qui est. On n'a toujours pas plus d'infos à ce niveau. Donc nous nous retrouvons rue Marcel Doré de l'autre côté de la rocade. Donc nous sommes côté aéroport parce que le prolongement donc de la piste cyclable qui va traverser la rocade, donc la rocade, enfin la piste cyclable avenue des Tilleuls et rue des Tournesols qui va traverser la rocade à ce niveau-là. Donc vous avez parlé d'un terrain vague, c'est juste de l'autre côté. De l'autre côté de la rocade, donc un terrain vague où se mêle pas mal de végétation. Voilà, là il sera plus visible. Donc c'est un terrain vague totalement vague, libre de tout. Il y a la locale électrique qui est sur place juste à côté, mais voilà. Donc la piste cyclable auprès, du coup, passer juste en dessous de la rocade à ce niveau-là et remonter la rue Marcel Doré. Donc la remonter par là-bas. Pour rejoindre une des futures lignes du réseau express vélo de Toulouse Métropole. Donc après remonter par ici. Donc ici on a un trottoir suffisamment large pour accueillir sans doute deux pistes cyclables. Nous arrivons sur ce rond-point où il y a un des campus d'Orange. Ça va traverser ce rond-point probablement et se raccorder sur l'existant qui est pas totalement adapté cyclable puisque c'est un chemin assez caillouteux et troué par ici. Donc c'est une sorte de chemin à goudronné mais avec pas mal de trous, de nids de poules. Et donc ça pourrait mener sur la route juste ici, qui serait possiblement la future, une des futures lignes du réseau express vélo à ce niveau-là, au niveau des parkings, de l'aéroport. Voilà.